السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله يا رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أهدنا الصراط المستقيم. Cette histoire a commencé il y a bien longtemps, au cœur d'une montagne immense, l'Atlas. سبحانك يا رب العزيز عما يعصفون وسلامون على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Selma venait de mourir. Elle avait à peine 30 ans. Juste avant de rendre son dernier souffle, elle avait fait jurer à l'imam de protéger sa fille Zaina de l'emprise d'Omar. Fou d'amour, Omar avait enfermé la mère et l'enfant et harcelé Selma sans répit, au point de causer sa mort. Omar, qu'on disait assez riche pour acheter la ville entière, se trouvait démuni face à la colère de Zaina. Il est des choses que l'or ne peut acheter, et le pardon d'un enfant en fait partie. Je vais garder l'enfant, Seigneur. Sa mère, avant de mourir, m'a demandé de veiller sur elle. Imam. Laisse-moi Zaina. Après ce qui s'est passé. Juste quelques jours alors. Oublie-la, Omar. Laisse-le.
Mustapha. Ah, je suis heureux de te revoir. Elle est morte. Je suis venu dès que ton messager m'a prévenu. L'enfant t'attend. Selma aurait dû te dire qu'elle était enceinte. Non. Non, c'est trop tard maintenant, je ne serai pas capable. Omar n'a rien oublié. Si tu ne l'emmènes pas, il l'apprendra. Pense à Selma. C'est votre enfant. Elle m'a fait jurer. Comment elle s'appelle ? Zaina. C'est ton père. Il va s'occuper de toi maintenant. C'est ton père. Salue-le. Il t'emmène. Maître Fiche. Maître Affiche. Ne t'inquiète pas. Ça va aller. Ça va aller. Mustapha avait autrefois répudié Selma sans savoir qu'elle attendait un enfant. La ressemblance stupéfiante entre Zaina et sa mère ravivait en lui des blessures qu'il croyait endormies. Allez, avance. Zingal, c'est un beau cheval. Tiens. Merci. Bon, je vais faire ton lit.